Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Nous poursuivons ce que nous avons commencé. Si vous avez regardé la partie numéro 1, vous savez que nous parlons des vêtements et de comment le diable utilise la beauté des femmes pour séduire les hommes. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir ici, ça va vous étonner. Regardez l'écran. De l'autre côté là-bas, on voit une femme. Cette femme est très bien habillée. Il n'y a pas de problème. Pourquoi on dit qu'elle est bien habillée? C'est tout simplement parce que elle ne fait pas comme cette femme qui est ici. Elle ne montre pas sa jambe. Regardez là. Regardez. Elle nous montre sa jambe. Et où se trouve-t-elle? Elle se trouve là, sur la plage. En même temps, il y a un esprit qui influence les femmes qui aiment s'habiller de façon sexy. Et cet esprit est au milieu là. En général, ce sont des sirènes. On nous parle des sirènes. Mais nous savons tous que c'est le diable et ses démons. Ici, un homme va nous expliquer comment lui, il a pu voir ces choses-là depuis le monde des esprits. Comment le diable envoie les femmes, les démons sur la terre, sur la plage même en particulier, pour pousser les femmes à se déshabiller, de sorte que cette image-là reste gravé dans l'esprit des gens et qu'eux aient du mal à résister à la tentation afin qu'ils puissent l'appartenir tout simplement, appartenir au diable. Mes frères et sœurs, pour recevoir le témoignage, c'est parti. Maman Grâce, Oui. dans ce commandement, il est question de la jalousie de Dieu. Ok. La jalousie de Dieu, ça c'est très important. Parce que c'est ça les explications okay. qu'on recevait de lui-même le Seigneur. Waouh. Étant un Dieu jaloux, je n'aime pas okay. que quelque chose prenne ma place. Maintenant, l'ennemi, dans son commandement à lui, oui. pour s'opposer à moi, veut que les hommes aient des images okay. qui occupent leurs pensées, okay. leurs intentions. Oui. Au point que les hommes n'ont plus de place pour moi. Vraiment. Au point que moi, je n'ai plus de place dans les pensées des hommes. Et ainsi, les hommes, par la ruse de l'ennemi, oui. se feront des images. Oui. À partir de ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Oui. Des images, des femmes, des hommes, photos. Des photos et autres. Oui. Et à part ça, puisqu'il est question de s'opposer à Dieu, Dieu qui dit que vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face, les hommes, par la ruse de l'ennemi dans ce commandement, oui. le diable fera à ce que les hommes soient attachés à des choses qui leur occupent tellement au point que ces choses-là, ou ces hommes, ou ces femmes, ou je ne sais pas moi encore quoi, prennent la place de Dieu. Mon Dieu. Ainsi, les hommes seront des idolâtres sans se rendre compte. Waouh! Ils vont aimer certaines choses plus que Dieu. Ok. Ils vont aimer leur femme, leur photo, leur je ne sais pas encore plus oui. que Dieu. Vraiment. C'est ça la ruse de l'ennemi dans ce commandement, l'image. L'image qui voilà attire. Berger Moïse, je pense que ça continue. Bien sûr. Il y a une suite pendant la réunion. La réunion vient d'ailleurs à peine de commencer. La réunion vient à peine de commencer. Nous n'avons pas encore expliqué ce que Satan disait. Mon Dieu. Et il continue la réunion. Il dit, déshabillez surtout la femme. Mon Dieu. Il donne l'ordre. Déshabillez la femme. Au démon. Oui. Déshabillez surtout la femme. Là, dans la salle des réunions, l'ange Michael et moi, nous étions au-dessus de tout le monde, en diagonale du podium où le diable animait sa réunion. Oui. Ainsi, j'ai vu un démon soulever son doigt avec beaucoup de respect et beaucoup de peur pour demander la parole au diable. Et Satan lui a donné la parole. C'était un démon avec une coloration toute noire. Mon Dieu. C'était un démon tout laid. Donc, je peux oser dire que chaque démon a sa couleur, on peut dire chaque ça. Chaque démon a sa couleur, chaque démon a sa forme. Parfait. Okay. Les autres ressemblent aux humains, les autres ressemblent aux animaux. Okay. Les autres ressemblent aux... Un mélange, okay. etc. Okay. Alors, l'un des démons, tout noir, pose la question. Il dit,
quand Satan a dit déshabiller surtout la femme, j'ai en mode imagerie. Voilà. Maintenant, les démons posent la question au diable quand Satan lui a donné la parole. Oui. Il lui dit, grand maître, avec votre autorisation, je veux poser une question. On donne la parole. Il dit, devons-nous ôter leurs vêtements? Les vêtements des femmes. Et le diable qui commence à répondre. Ok. Comment déshabiller la femme? Surtout la femme. Alors il dit, à cause de cette question, allez vers les plages, faites mon travail. Mon Dieu. Je n'ai pas compris. Les démons ont quitté la salle des réunions. Satan a dit, faites mon travail. Moi, je n'ai pas compris quel était le travail du diable. Ok. Mais les démons avaient compris. Waouh. Et si vous n'oubliez pas, oui, rappelez-moi, comment les démons pouvaient-ils exécuter un ordre du diable sur un travail sans recevoir un ordre? Vraiment. Posez-moi cette question. Vraiment, nous allons y arriver. Allez vers les plages et faites mon travail. J'ai vu des milliers de démons qui étaient dans la salle. La réunion s'est estompée. Ok. Voilà. Quand la réunion s'est estompée, des milliers de démons ont quitté la salle de réunion et ils se sont dirigés dans plusieurs directions. Et l'ange Michael m'a dit, suivant ces groupes, il y avait plusieurs groupes. Un groupe en une direction quelconque. Et nous sommes allés, nous nous sommes retrouvés vers plusieurs plages. Et l'ange m'a dit, maintenant là, nous sommes en Portugal. Oh. Nous nous sommes retrouvés en Portugal. Vous êtes allé au Portugal, Berger Moïse. J'ai l'image du Portugal. Waouh, c'est bien marrant, mais nous comprenons que la dimension était forte. Hein? La dimension de votre visitation était forte. Non, c'était trop fort. Je l'avoue. Vraiment, évangéliste, vous avez un mot à dire apparemment. Juste pour expliquer comment même nous, à l'église, on était étonnés lorsque le Seigneur dit, voilà, vraiment là. Oui. L'instrument est à Portugal. On s'était comment ça va? Comment il était là au Portugal? Nous étions étonnés. Il y a de quoi? Oui, donc je voulais juste. Très bien, très bonne intervention, évangéliste. Parce que l'évangéliste est le représentant de tous les témoins. Ah oui. Donc il est en train de nous faire ressentir les moments pendant que le berger Moïse était en extase et ce qui se passait à Mika Kinshasa. Oui. Exactement. Alors nous sommes retrouvés en Portugal. Satan dans la salle des réunions avait dit, allez vers les plages. Oui. Faites, il a parlé de plusieurs plages. Moi je mets ça au pluriel. Faites mon travail. Et j'étais curieux. Ce qui m'avait plus intéressé, ce n'était pas le Portugal. Oui. C'était plus le souci de connaître quel a été le travail du diable. Du diable. J'espère que vous avez aussi ce suspense-là, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il les avait dit, allez, faites mon travail. Voilà. Et nous, l'ange et moi, nous étions par-dessus les démons. Ok. Nous sommes allés vers une plage. Et là, il y avait des femmes qui étaient allongées au bord de l'eau. Ok. Sur leur petit lit. Il y a les termes qui m'échappent. Oui. Voilà. Alors, d'autres avaient étalé de vêtements, oui, de tissus. Oui. Et ils étaient là en train de prendre de l'air. Vraiment. Curieusement, je me suis rendu compte que le premier travail du diable vers les plages, oui, plusieurs plages de Portugal, c'était de souffler sur les femmes. Mon Dieu. Il y avait les hommes et les femmes sous le soleil. Mm-hmm. Maintenant, les démons sont venus. Ils se sont posés au-dessus de chaque femme. Okay. Une femme, un démon. Une femme, un démon. Mon Dieu. Ils se placent en parallèle avec la femme. Ils souffrent, ils vont ailleurs. Berger Moïse, excusez-moi, il y a une question qui me vient. Je ne veux pas la perdre. Est-ce que, après, vous avez eu à comprendre pourquoi le diable avait envoyé les démons dans les plages? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Okay. J'avais enfin fini par comprendre. Okay. Maintenant, quand il soufflait, du coup, toutes les femmes qui étaient là vers la plage, oui, ont commencé à se déshabiller, mon Dieu, en train de réclamer pour dire que il fait énormément chaud. J'ai compris que le travail du diable, oui, quand le démon a dit, comment pouvons-nous déshabiller
la femme. Oui. Et le diable a dit, allez. Ok. Ils sont partis. Oui. Ils ont compris l'idée du diable. Vraiment. Vous avez posé cette question à la fin. Oui. Ils ont compris l'idée et ils ont commencé à souffler sur les femmes. Et les femmes pensaient qu'il faisait chaud. Alors que ce n'était que le souffle des démons. Souffle des démons. Donc c'est ça le travail du diable. Wow. Donner une image d'une impression de la chaleur. Mon Dieu. Alors que ce n'est qu'un souffle démoniaque pour que la femme reste en soutien-gorge et sous-vêtements. Wow. C'est ce que toutes les femmes avaient fait. Et excusez-moi. Quelques-unes avaient enlevé même les soutiens-gorge et les sous-vêtements. Mon Dieu. Elles étaient toutes nues. What? Wow. Nues comme des vers. Vous entendez ça? Nues comme des vers. Nues comme des vers. T'es sérieux de quoi tu parles? Mes frères et sœurs, regardez l'écran. Regardez juste là, juste ici. Est-ce que c'est pas ce qui se passe la plupart du temps? À la plage, on voit des choses terribles. Des choses même plus graves que graves. Vraiment, ça, c'est trop hallucinant. Nous avons vraiment besoin que Dieu nous aide, que Dieu nous aide vraiment à ne pas tomber dans de tels pièges. Wow. Ce sont des sous-vêtements. Des sous-vêtements qui se retrouvent dans cette affaire, dans cette histoire. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Un petit peu, on va savoir plus. Oh, que le monde entier. Pour que la femme porte un habit serré. Oui. Derrière lequel. Le sous-vêtement ne se fait pas voir, ce n'est que du string. Oui. Comme ça, quand la femme va marcher, vous vous imaginez? Oui. Tout son corps est en mouvement. Vraiment. Ce que le diable cherche, c'est l'imagerie. Oui. L'image là. L'image qui attire. Et vraiment. Quand nous sommes rentrés, je saute un peu. Oui. Je vais revenir. Dans la salle des réunions, quand nous sommes rentrés, quand tous les démons sont rentrés, le diable prend la parole et dit, vous avez compris? Les hommes, il a mis l'adverbe tout. Oui. Verront ceci, ils seront attirés. Ok. Moralement, l'image de la femme sera cachetée dans leurs esprits. Dans les esprits, l'image de la femme sera cachetée dans leurs esprits. L'image de la femme sera donc cachetée dans leurs esprits. Mes frères et sœurs, ça c'est pas une bonne affaire. Nous devons vraiment faire très très attention. Dieu, ça c'est grave. Ça c'est même très grave. Cacheté dans un esprit. Dans leurs esprits. Ok. Et après cela, les il y a eu plusieurs voyages. Ok. Vers les plages, ils ont soufflé, ils sont partis. Il y a eu des dégâts. Mon Dieu. Dans les maisons de couture, ils ont soufflé. Ils ont commencé à fabriquer à l'instant des modes sexy. Mon Dieu. Et vous, on vous dit que voilà, tel couturier a fait sortir ça. Même si ce n'est pas décent. Oui. Parce que ça, une licence de tel couturier, les gens vont toujours acheter. Vraiment. Et porter. Vraiment. Et les démons ont commencé à circuler plusieurs villes. Waouh. Waouh, vous entendez ça? À l'instant pour communiquer cet esprit. Et cet esprit, Maman Grâce, oui, était communiqué que par un simple souffle. Un simple souffle. Et quand on reçoit le souffle, j'ai compris maintenant. Oui. Je réponds à la question que je vous avais donnée. Oui. La question de savoir comment est-ce que les démons exécutaient l'idée du diable. Voilà. Oui. L'idée du diable, pendant que Satan parlait. Oui. Un souffle sortait de sa bouche. Ah. Et maintenant, oui, les têtes des démons étaient ouvertes. Rappelez-vous de la première partie sur les 70 stratégies du diable. Oui. Vous vous rappelez? Très bien. Quand Satan parle, oui, toutes les têtes sont ouvertes. Et le souffle là entre dans les têtes des démons. Ok. Et maintenant, quand ça entre comme ça, on comprend la pensée du diable. Ok. Le souffle là entre. Il partage sa pensée par le souffle. Et maintenant, quand les démons soufflent aussi, ils vous donnent la pensée du diable. Mon Dieu. Ils vous donnent le souffle de Satan. Ok. Ainsi, ils ont commencé à circuler dans plusieurs pays. Ok. Plusieurs villes. Oui. Plusieurs villages. Plusieurs maisons de couture. Et à partir de cet instant, ils recevaient
la pensée du diable. Okay. Et dans la salle de réunion, Satan leur avait dit, rentrez avant minuit. Pourquoi avant minuit, berger Moïse? Parce que les humains, très belle question, les humains qui étaient dans la salle, oui, devaient rentrer dans leur maison. Oh! La réunion terminée, ok? Oui. Entre 19h, 20h et 21h. Ok. Mais ces jours-là, oui, c'était au-delà de 23h. Wow. Et Satan leur a dit rentrer avant minuit. Et ils ont pris beaucoup de temps. Mmh. Et maintenant, c'était le retour des démons. Ok, le retour des démons. Nous sommes rentrés dans la salle des réunions. Tous les démons rentraient, l'ange et moi, nous sommes rentrés. Mmh. Et maintenant, ils étaient là en train de respirer. Wow. Tous étaient agités. Mmh. Ils disaient, ah, ils parlaient en désordre. Ok. Grand maître. Voilà, c'était très bon. Mon Dieu. Nous avons réussi votre mission. Mon Dieu. Les femmes se sont déshabillées vers les plages. Jésus-Christ. Les couturiers ont été inspirés. Mon Dieu. J'ai compris que le souffle là, oui, c'était une inspiration du diable. Mon Dieu. Pendant que les démons étaient très contents, oui, mais le diable, il devenait de plus en plus mécontent. Ah. Il a changé d'humeur. Mon Dieu. Il a fait un saut d'humeur. Il dit, non, la lutte n'est pas finie. Les hommes doivent se corrompre, mon Dieu, moralement. Surtout ceux-là qui nous dérangent, mon Dieu, dans leur prière. Ils les dérangent nos réunions de prière. Okay. À l'instant, j'ai reçu une inspiration, j'ai compris, oui, que Satan faisait mention de ceux qui prient dans des veillées de prière, okay, les permanents qui prient chaque nuit. Okay. Il dit, surtout ceux-là, mm-hmm, il dit, la lutte n'est pas finie. Mon Dieu. Voilà ce que je vous donne comme astuce sur mon premier commandement, particulièrement pour ceux qui servent l'autre là. Mon Dieu. Et là, j'ai compris, il parlait des serviteurs, des serviteurs, des pasteurs, des intercesseurs, oui, des permanents qui sont dans les églises, des chantres, des protocoles, tous ceux qui servent Dieu. Tous ceux qui servent Dieu. Ok. Alors, Satan étend sa main dans le vide. Il lève la main, il la baisse, un écran géant apparaît à l'espace où il a étendu sa main. Mon Dieu. Quand un écran géant est apparu, et là dans l'écran géant, nous avons vu des femmes. Nous avons vu trois choses. Oui. Premièrement, des femmes dans les églises qui avaient porté de courtes jupes et qui écartaient leurs jambes vers le prédicateur. Hein? Et, et Satan dit, entrez dans les églises, oui, soufflez sur les femmes. Mm. Mon souffle dans votre bouche fera que les fidèles de l'autre là vont montrer leurs sous-vêtements au prédicateur. Jésus-Christ. Comme ça, quand les prédicateurs verront leurs sous-vêtements en plein culte, ils seront désemparés et la prédication va perdre d'élan. Pourquoi? Parce que le prédicateur est distrait. C'est triste. C'est ça le premier commandement. Vous avez entendu ça? Ils sont mauvais quand même. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Des choses vraiment terribles comme ça. Juste là, dans l'église des gens, mes frères et sœurs, il y a un truc, il y a vraiment un truc. Faites vraiment très, très attention. En train d'arranger leurs vêtements. Ok. Vous voyez des jupes qui ont des boutons comme ça. Oui. On appelle jupe pagne. Jupe pagne. Oui. Et j'ai vu aussi beaucoup de femmes qui avaient porté des pagnes. Ok. Des pagnes, des jupes qui ouvraient pour bien serrer. Oui. Et une femme qui ouvre, oui, la jupe pagne, ou le pagne en question, elle ouvre tout son corps et à nu. Mon Dieu. Tout son corps est vu de tous. Mais elle, c'est dans l'idée d'arranger le pagne. Vous voyez ça, même pour regarder même à l'écran, juste ici, la fille qu'elle a. Regardez juste là en bas. Ah, est-ce qu'elle est tentée d'arranger son pagne ou bien elle est tentée de montrer des choses? Aujourd'hui, même ce matin, quand je suis allé sur un réseau social, ah, je vois une vidéo où la caméra allait directement vers une femme et puis on montrait juste sa hanche, ses fesses. Et tout à coup, elle va se retourner et la danse va commencer. Mes frères et sœurs, le diable ne fait pas ça pour rien. Les gens ne mettent pas les femmes
sexy de l'été pour rien. Il y a un truc. Dis à ta voisine qu'à côté, il y a un truc. Dis à ton voisin qu'à côté, il y a un truc. Dis-lui qu'il y a un truc. Et nous allons tout découvrir ici sur ce bar. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant. Ou la jupe. Donc, on souffle sur une. Donc, juste après être soufflé par le démon, on pose un acte pareil. On pense à arranger son habit. Arranger son habit alors qu'on est en train d'exposer son corps. Oh mon Dieu. C'est ça que Satan veut seulement. Que c'est triste. Hein. Seulement pour que les hommes fassent quoi? Voient. Mon Dieu. Troisième moment. Nous avons vu sur cet écran géant les femmes en train de se battre. Mon Dieu. Des combats violents. Qui arrive comment? Quand deux femmes sont en train de se chamailler, échangent des paroles, deux démons qui arrivent. On voit ça dans l'écran. L'un souffle vers les cerveaux. Okay. Sur l'une, l'autre qui souffle sur l'autre. Oui. Et le combat a commencé. Mine de rien, une petite discussion, un combat. Et Satan dit dans la salle de réunion, quand les deux femmes vont se battre, l'objectif sera seulement de se déchirer les vêtements. Mon Dieu. Quand elles vont se déchirer les vêtements, on va tout voir. Les hommes qui sont là vont voir leur corps. C'est ça l'objectif du diable. Mon Dieu. Et il donne trois ordres. Okay. Il dit, créez ces choses. Le monde saura que nous existons. Mon Dieu. Deuxième moment. Que l'image de la femme crée les fantasmes auprès des hommes. Troisième moment. Il dit aux démons, ôtez la pudeur. Mon Dieu. Que les filles se lavent nues dans les rivières. Dans les plages. Dans les piscines. Sans tenir compte de la présence des hommes. Mon Dieu. Et là, pendant que nous étions en train de voler, nous sommes allés dans un village. Dans ce village-là, les filles étaient en train de se laver de leur côté. Les garçons de leur côté. Les démons sont venus, ils ont soufflé. Mon Dieu. Les filles et les garçons se sont mélangés. Ouh, que c'est terrible, c'est chaud. Or, les filles, certaines n'avaient même pas de sous-vêtements. Mon Dieu. Alors, j'ai compris quelque chose. Oui. Maman Grâce, j'ai compris que le souci de l'ennemi, dans ses premiers commandements, était d'exploiter le corps de la femme. Vraiment. L'exploitation du corps de la femme. Et dans la salle des réunions, quand les démons sont rentrés, Satan donne un commandement, il dit, créez. Il dit aux assistants qui étaient dans la salle, des produits pharmaceutiques pour arrondir les bassins de plusieurs femmes. Oh, Lord. Mon Dieu. Et après un rapport réussi, l'ennemi, enfin, était content. Il dit, pour la première fois, je suis content. Et je vous donne des grades. Mon Dieu. Il a donné des grades. Il les a promis. Pourquoi? Parce que ils ont travaillé la femme. Et j'ai compris que le piège principal utilisé par Satan pour nuire à l'humanité, c'est la femme. C'est la femme. Évangéliste Joseph, c'est vraiment pénible et triste d'entendre ces choses. Maman Grâce, je vous assure que c'est pendant toutes ces explications, je vous dis, à l'église, nous chrétiens, surtout nous, les hommes ou les frères, nous étions dans la désolation. Il y a de quoi? Total. Mais qui ne veut pas être dans la désolation totale? Après avoir entendu tout pareil, mes frères et sœurs, ce qui se passe dans ce monde est terrible. Et tout ce qui est en train d'être révélé ici, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Allez même à la plage. Voyez-vous, même au parc des plages, mais plage, mais c'est trop long. La plage, mais c'est trop long. Allez marcher un peu dans la rue. Aux États-Unis, par exemple. Franchement, ce que j'ai vu là-bas m'a étonné. J'ai vu une fille, elle, bon, si elle fait la description, c'est pas bon aussi. Elle était nue, bon, je pouvais dire, elle était nue. Elle était en string. Et elle marchait dans la rue comme ça, tranquillement. Et c'est comme si de rien n'était.
Elle avait une culotte jean, mais on pouvait voir son string. C'est-à-dire qu'ils ont fait sa petite culotte jean là, de sorte qu'on puisse voir carrément son string. C'est comme si c'est son... Vraiment, ça, c'est pas... C'est une image même, je n'ai même pas pu vous montrer ça, même de vous en parler sur un second. Parce que c'est plus laid que laid. Mes frères et sœurs, le diable cherche à nous séduire. Allez sur les réseaux sociaux, même sur Instagram. Ah, même alors où je suis en train de parler, alors où je suis en train de parler. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. Attendez. Est-ce que je vais me fatiguer? Si tu prends ton portable tout de suite et que tu vas sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu vas forcément tomber sur un truc. Forcément tomber sur un truc. Regardez même. Regardez ça. Regardez comment les femmes sont en train de montrer le. Il n'a même pas cherché. Je ne la connais même pas. Mais regardez vous-même. Les femmes sont sexy comme ça. Et regardez la fente qui est au niveau de son pied. Elle a cousu un vêtement. Et ils ont juste coupé cette partie-là. Cette partie qui est ici. Là. Ils ont carrément coupé cette partie-là. Juste pour qu'on voit un peu. Sa cuisse, non, mes frères et sœurs. Non, mes frères et sœurs. Non, mes frères et sœurs. Regardez même à l'écran. Ça, là, c'est qu'il y a ici, 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 ici. Mes frères et sœurs, le monde fait peur. Même les clips qui viennent de sortir. Quand on parle de ça, vraiment, c'est grave. Regardez comment les femmes même s'habillent. Regardez. Elles montrent les seins, comme ça. C'est pas nouveau. Dieu est en train de nous dire qu'il nous voit tous. Et toutes les femmes qui seront dans ces projets de problèmes là, elles seront en train d'être manipulées par le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable vous utilise, mais vous l'ignorez grandement. Vous ne le savez pas, vous l'ignorez. Mes frères et sœurs, faisons attention. En dessous, si vous êtes bon ici, vous verrez la nouvelle vidéo qui va apparaître, qu'elle sera disponible. Abonnez-vous à activer la cloche de ne pas manquer aussi la notification sur nos prochaines vidéos. Nous travaillons dur pour vous révéler des choses hors du commun, mes frères et sœurs. Ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Merci.